Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau playthrough que je lance sur la chaîne et il s'agit de Spider-Man 3, le jeu vidéo qui est venu accompagner la sortie du film. Et ça, le film, on va en parler un peu plus sur la chaîne, enfin grâce à ce playthrough là avec les deux autres. Oula, je sais pas pourquoi elle se lance. Et ben tout ce que j'ai envie de dire, c'est on y va sans plus tarder. Alors ne pas éteindre le système. Ok, pas de souci. Pas de soucis, ma Lucette. Donc on y va, sans plus attendre. Étant donné que j'ai déjà joué au jeu une fois, je me rappelle de quelques niveaux, mais pas tous. Tout est prêt, monsieur Carlyle. On décolle. Une seule gueule. Spider-Man! Pas d'autographe, merci. Et là, la classe Spider-Man qui rentre en scène. Alors, appuie ok, carré. Sur la commande d'attaque. Je sais, c'est un peu compliqué. Allez. En fait, il y a deux commandes d'attaque. Essaie de te servir de l'autre sur ces clips. À l'avenir, utilise les deux commandes pour trouver celle qui fonctionne sur tes petits amis. Ça a l'air facile. C'est un peu comme les Batman Arkham, on dirait. On peut dire que tu dégustes, hein. Tu sais, il y a une commande d'esquive qui pourrait éviter de te faire trop amocher. Ok. Quand l'indicateur... Tu vois cette icône? Ouais, l'icône de la commande d'attaque qui apparaît quand tu esquives. Ouais. Elle indique que tu peux contre-attaquer. Quand elle apparaît, appuie sur la commande et tu riposteras. Les contre-attaques sont imparables. Ok. Il y a une touche pour esquive. Waouh. Ça va plus vite que ce que je pensais. Tu sais, allez, dégage. Je sais repérer les graines. Esquiver deux attaques. Seulement, dans ton cas, ça manque sacrément d'engrais. Mais je vais t'aider, t'en fais pas. Pour les prochains ennemis, je veux que tu suives les instructions à l'écran. Exécute appuyez tous les mouvements indiqués. Appuyez longuement sur L1 pour... Allez, tu veux m'attaquer? Pas mal. Oh, donne un pas coup. Mal. Continue. Allez. Ouh, je l'ai enchaîné, lui. Effectue quoi, 3 contre-attaques. Allez, qui m'attaque? Attaquez-moi, allez. Ah, t'as pris le coup de main, hein. C'était pas trop minable. Oh, c'était beau ce que je viens de faire. Ah, connard. Tiens. Ok, maintenant tu te dépêches de découvrir qui essaie de faire sauter l'immeuble et tu sauves tout le monde. Tiens, j'ouvre la porte. Merci. Ah, donc là pour l'instant c'est pas le... C'est pas une mission qui fait partie, je crois, du jeu. Je pense que c'est juste un niveau didacticiel pour t'apprendre les bases du personnage, comment le manier et tout ça. Ok, donc va falloir que je saute. N'empêche que les graphismes sont hyper beaux, hein, ceci dit. Alors que t'as des gens qui crachent sur ce jeu en disant qu'il est moche et tout ça, mais j'ai envie de vous dire, achetez-vous des lunettes. Achetez-vous des lunettes, les mecs, parce que moi, je vais en parler tout le long du jeu, c'est que pour moi, le jeu Spider-Man 3, je le trouve très bon. Il est très bon pour moi. Alors, lorsque vous faites des attaques en chaîne, vous remplissez votre jauge de combo rouge située en haut à gauche. Lorsque la jauge de combo est pleine, elle se met à clignoter, vous pouvez alors effectuer une superbe attaque. Pour le moment, vous disposez que d'une seule super attaque R1 et carré. D'accord. Wow, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est bon, y'a plus personne? Non, y'a plus personne. Appuyez sur R3 pour activer votre sens de l'araignée. Observez autour de vous si vous ne remarquez rien de suspect. Le sens d'araignée vous permet de repérer les objets importants et de voir à travers les murs. C'est certainement l'un des criminels qui essaie de faire sauter l'immeuble. Ou en gros, c'est un peu comme la vision de détective de Batman, quoi. Ok, je me suis pas pris une branche dans la gueule. Il faut commencer par les bombes. Rampe sur le mur et passe sur le plafond. Cette icône signifie qu'une interaction est possible avec ta toile. Appuie longuement sur la commande toile pour envelopper ce truc-là. Elle est où l'autre bombe? Elle est où? Allez, hop. Déjà, il y a un truc qui m'emmerde déjà, c'est la caméra. C'est la caméra qui m'emmerde déjà.
Vas-y, parce que ça... essaie tes différentes attaques de toi, là. Peut-être même que tu en découvriras de nouvelles. Par exemple, tu peux faire tournoyer tes ennemis. Ah, pas mal. Franchement, pas mal, franchement. Allez, on y va pour le tutoriel. De toute façon, je me concentre parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus joué. Utilise la commande de sprint pour gagner de la vitesse. Waouh, du calme, t'es Spider-Man, t'es pas Flash. Si je pouvais briser une de ces conduites d'eau, je suis sûr que ça éteindrait le feu. Et en plus de ça, c'est les doublages du film. Ça, c'est pas beau, ça. Allez, hop. Voilà. Je l'ai fait à la va-vite. Quand tu sautes dans les airs, tu peux appuyer à nouveau sur la commande de saut pour faire un double saut et ridiculiser les lois de la gravité. T'en veux pas, les super-héros font ça tout le temps. T'as pas à avoir de scrupules. Ouais, tu le dis. Pour sauter plus haut, appuie plus longuement sur la commande de saut. Si tu appuies suffisamment longtemps, tu pourras même sauter des petits bâtiments. Bon, toi et moi, on sait bien que certains de tes super-collègues font ça les doigts dans le nez. Mais toi, tu fais ça avec classe. Et eux, non. Super collègue, je suis désolé, mais là, les Avengers et tout ça n'existe pas dans la timeline de Sam Raimi. Il y a que Spider-Man, mais tout ce qui est Avengers et tout ça, ça n'existe pas. Hein. Ça a été pris après plus tard, en 2008. Ok. Salut! Merde. Ah, le gameplay est pas du tout pareil comme les Batman Arkham, hein, je tiens à le dire. Hein. Oh, comment je vais envoyer chier, lui. Oh là 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 là. Mais d'ailleurs, je sais plus c'est quoi qu'il y a d'autre dans le jeu. Bon, je sais que la cinématique, ça va pas chercher midi à 14h, hein, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, prépare-toi. Tu es sur le point d'accomplir une prouesse d'agilité et de vitesse. Que ça ne te monte pas à la tête, ok? Fais ça tout le temps. C'est quoi? Oh! Putain! Là, je vais me concentrer quand même. Au secours! Aidez-moi! Oh, les yeux! Attachez vos ceintures. Ça va secouer. Merci d'avoir choisi Air Spider-Man. Les yeux qu'elle avait, la meuf. Une journée comme les autres, dans la vie trépidante de Spider-Man. Ces derniers temps, j'ai plutôt la belle vie. Oh, pas j'ai elle. Une super copine et tout New York à mes pieds. Pas MJ. Mais tout n'est pas rose, loin de là. Comme ce nouveau photographe au Daily Bugle, Eddie Brock. Il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Et Harry, mon meilleur ami, qui refuse de me parler. Mais ceci dit, pour un jeu de 2007, ça passe bien, je trouve. Et comme si ça ne suffisait pas, de nouveaux gangs ont fait leur apparition en ville. Ah ouais, je me rappelle de les trois gangs. Enfin, rien de bien méchant. Curieusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de super. On n'entend pas ta voix, Peter. On n'entend pas ta voix, là. La musique est trop forte. Et voilà le symbiote. Mais ça, j'ai jamais compris, en fait. C'est comment le symbiote arrive sur Terre, en fait. Là, il n'y a pas d'explication là-dedans, et ça, c'est problématique pour moi. J'ai jamais compris, en fait. Appuie sur la commande de balancement pour lancer une toile. Et appuie longuement sur la commande pour t'accrocher à la toile et te balancer. Ok, appuie longuement sur R2. D'accord. On essaie. Wouhouhou. Ah, ça me rappelle dans le film Spider-Man, là, quand Peter teste son balancement, il se mange un mur en pleine poire. Ça me rappelle ce passage-là. Ah, téléportation, merci. Le problème avec le balancement, c'est qu'il faut bien accrocher ta toile d'araignée quelque part. Bah oui. Non, sans déconner, alors, tu crois que je savais pas? Il faut qu'il y ait un bâtiment ou quelque chose à proximité. Ligé? Bien. Tu crois que je savais pas qu'il fallait un bâtiment pour accrocher sa toile? Oh, qu'est-ce que ça fait longtemps ce jeu, ça fait longtemps que j'y ai pu jouer. Tu vois le repère à l'écran? Il te montre forcément quelque chose d'intéressant et que tu devrais aller voir. Par exemple maintenant. Bon bah vas-y, bouge-toi. Bah c'est bon, j'arrive. Oh. Ça, il me fout une pression lui. Pour viser avec ta toile, utilise le joystick gauche.
veux aller à gauche, oriente-le vers la gauche. Si tu veux aller à droite, bon, t'as compris l'idée. Oriente le joystick gauche dans la direction où tu veux aller. Ça marche. Ok. Ok, donc il me demande des possibilités pour se balancer plus vite. Ça me semble correct. Pas mal, mais essayons d'aller plus vite. Cette technique vous permettra de voler littéralement au-dessus de la ville. Mais oh, lui m'écrase, lui. Tu veux aller plus vite? Accélère quand tu es en bas de ta courbe de balancement. Ça va te propulser en avant. Si tu veux gagner un peu de hauteur, accélère quand tu es au sommet de ta courbe de balancement. D'accord. Ok, donc... Ah ouais! Avec L2, ça va deux fois plus vite, là. Ah ouais, putain. Ah là là, tu te sens vraiment Spider-Man, là. Ah, je ne comprends pas avec la caméra qui bouge n'importe comment. C'est pas évident de se balancer. Voilà. Mais avec de l'entraînement, tu y arriveras comme un pro. Alors accroche-toi. Ah, pas de soucis. Encore une chose. Attention aux immeubles. Bah ça bien sûr, hein, j'ai des yeux, ils sont faits pour ça. Hein. Pour te repérer dans cette vaste cité, utilise ta carte zoom. Select. Waouh. La ville est parsemée de petites balises qui représentent des missions. Tu peux les repérer sur ta carte ou utiliser les touches en bas de l'écran pour passer de l'une à l'autre. Vas-y, essaye. D'accord. Une fois que tu as trouvé une mission qui t'intéresse, appuie sur la touche pour l'activer. Ensuite, quand tu quittes la carte zoom, un indicateur à l'écran te montre la direction à suivre pour rejoindre la balise. Pour l'instant, il n'y en a que trois. Apocalypse partie 1, la folle vérité de... Oh non, pas MJ, et le lézard. L'apocalypse me semble correct, pour commencer. Bon, voilà la carte zoom. Elle est très utile. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, consulte-la pour voir tes options. Maintenant, va en ville et fais ce que tu as à faire. Ok, on y va alors, c'est parti. Lancer de toile. Appuie rapidement sur R2 pour lancer la toile en avant. Ok. Ah d'accord, ouais, ça se balance comme ça, d'accord. Ah ouais, putain. Même ça, j'avais vu des testeurs qui disaient qu'au quoi le système de balancement dans ce jeu-là est ultra nul. Bah, j'ai envie de vous dire, les mecs, achetez-vous des lunettes parce que pour moi, regardez ça. Bon, certes, le balancement là est pas génial comparé dans les Marvel Spider-Man actuellement, certes. Mais pour moi, le balancement qu'on a là dans Spider-Man 3, je le trouve totalement correct. Je le trouve totalement correct, donc je sais pas qui c'est qui crache sur ça, mais bon, j'ai envie de vous dire, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ah putain, non, je veux pas me manger un taxi, moi. Voilà. Hop, on y va, parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu quand même un peu le jeu, et voir si vous, vous voulez que je fasse la suite ou pas. Donc, Apocalypse partie 1, on y va, let's go. Je pense que c'est un gang, ça. Ah ouais. T'espionnes l'Apocalypse, hein? C'est vraiment dommage pour toi. Tu sais pas qu'on est le plus terrible gang de cette ville? Je vous espionnais pas, je vous jure! Je vous en prie, je faisais que passer! La ferme! Tu me tapes sur le système. Oh ouais, c'est un espèce de groupe punk dégueulasse. Si je ne trouve pas ce bouton en vitesse, ce type va finir en surimi. Les commandes de la gauche, Spider-Man. Appuyez sur le bouton, je veux pas mourir! J'arrive, mon pote! Les commandes de la grue, Spider-Man. Appuyez sur le bouton. Aidez-moi. Viens là, toi. Non. Les commandes de la grue, Spider-Man. Appuyez sur le bouton. Je veux pas mourir. Attends, je vais rester à côté. Ça va, vous amusez bien, vous me regardez? Ils sont cons, les mecs. Voilà, mon pote t'es sauvé. Non. Lâchez-moi. Là.
Je vais le refoutre dans l'eau, tu vas pas le refoutre dans l'eau, mon pote. Voilà. Bon, bah, c'était facile. Merci, Spider-Man. J'ai bien cru que j'étais un homme mort. J'ai juste remarqué ces voyous en travaillant dans le métro, et ils ont voulu me tuer pour ça. Tiens, tiens, le métro. Qu'est-ce qu'il mijote là-dessous? Je ferais bien d'y faire un saut. Le mec bouge de manière bizarre. Mission terminée. L'indice de lutte contre le crime a augmenté dans toutes les zones touchées par l'apocalypse. D'accord. Ouais. Ça, je m'en fous, en fait. Amélioration disponible. Yo-yo. Pour vous suspendre au plafond. Ah, on va essayer. On va essayer un peu. Attends. Y a pas un plafond dans le coin? Non, tombe pas dans l'eau. Attends. Ici. Y a pas un plafond dans le coin? Il n'y a pas de plafond dans le coin. Là, ça a passé ou pas? Ah ouais, ça passe. Eh, hey, stylé quand même. Non, lâche. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on va faire quoi? Parce que le lézard, j'ai pas trop envie. Arsenic Candy partie 1. Ah non, on va pas faire ça tout de suite. On va faire ça, je crois, et on verra par la suite si je continue ou pas, ou si je m'arrête là tout de suite pour voir après si vous voulez que je continue ou pas le jeu. Donc ça, c'est bien, en fait, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de faire Spider-Man, c'est parce que je voulais changer un petit peu. Donc ça fait quoi? Ça fait déjà deux jeux Batman Arkham qu'on fait, je me suis dit... Pourquoi pas changer un petit peu? Pourquoi pas changer et comment dire? Et proposer un autre super-héros que j'adore comme Spider-Man. Spider-Man, c'est un de mes super-héros préférés chez Marvel. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Je l'ai déjà dit pas mal de fois sur ma chaîne. Et puis voilà quoi. Donc si, proposez-moi, et comme je l'ai dit, hein, proposez-moi d'autres jeux de super-héros ou d'horreur que vous voulez que je fasse sur ma chaîne. Donc là... Faut le virer de Mary Jane. Emmenez MJ faire un tour. Soyez attentif à ses demandes pour gagner des cœurs. Pour gagner des cœurs? Sérieux? Vous gagnez du temps chaque fois que vous atteignez un repère. Ok, donc les accents, on peut s'en passer parce que vous en avez oublié, mais bon, pourquoi pas. Bonjour Peter. Alors, cette balade? Ah, toi, tu m'as pas manqué, hein. Tu ne m'as pas manqué, MJ. Bon, accroche-toi. Balance-toi près du sol. En plus, je vous le dis, hein, je n'aime pas MJ. De toute façon, j'ai déjà... Ah, le cœur. Voilà. De toute façon, j'ai déjà dit en long et en large quand j'ai critiqué les Spider-Man de Sam Raimi que je ne supporte pas MJ. Elle est ultra casse-couille. Elle est ultra casse-couille et moi, elle me gâte, cette meuf. Elle me gâte. Putain, et je me branche tous les bagnoles en pleine gueule. C'est génial. Tu dis... Balance-toi très haut. Ok. Alors, pourquoi de la hauteur? Reste aussi haut que tu peux. Ah bah excuse-moi, mais c'est pas facile quand t'as pas de bâtiment. Et ferme ta gueule s'il te plaît, MJ, ne me déconcentre pas. Parce que déjà t'es chiante. Déjà que tu m'as trompé avec Harry. Reste aussi haut que tu peux. Ah non, c'est pas Harry, pardon. C'est pas Harry, je me suis bourré, c'est avec le fils de Jonah Jameson, comment il s'appelle encore? John? C'est non. Génial. Je sais plus. Balance-toi près du sol. Pas de soucis. Faut que tu te manges des taxis en pleine poire. Comme ça, on verra plus ta sale gueule dans les autres films. Ah, je suis cruel, mais que voulez-vous? Ta gueule. Ah, mais je sais plus jouer. Ta gueule. Ferme ta gueule, MJ. Putain, oh là là, elle me casse les couilles, celle-là. Tu te fais que j'ai mon costume noir, comme ça, je te maltraite. Vas-y, fonce. Ok, tu veux que je fonce, pas de problème. Tu veux pas que j'aille te noyer dans le lac aussi, si t'emmènes... Youhou! Ah mais je t'emmène dans Central Park, en plus. C'est génial. Quand je pense que tu vis ça tout le temps... Ferme ta gueule. J'ai envie de te dire, ferme ta gueule, voilà. Je t'ai amené au parc, pas t'en fous mis la paix.
Alors Harry refuse toujours de te parler ? J'ai tout essayé, MJ. Il veut pas m'écouter. Il est convaincu que j'ai tué son père. Mais tu es son meilleur ami, Peter. Au fond de lui, il doit bien savoir que tu ne ferais jamais rien qui lui fasse de la peine. Ne t'en fais pas pour lui. Accorde-lui un peu de temps. Je suis sûre qu'il comprendra. Ça m'étonnerait qu'il va comprendre. Ah, voilà le symbiote, comme dans le film. Il apparaît de la même façon comme dans le film. Sauf que là, les deux n'étaient pas en train de se galoucher. Oh. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient très intéressant. Harry qui est devenu le nouveau bouffon vert. Ça veut dire qu'on va pas tarder à l'affronter alors. Mais bon, je pense pas que ce sera dans cet épisode-là, hein. Je pense que ce sera un peu plus tard. Mission terminée. Course contre le mur. Appuyez longuement sur L2 et rond pour courir sur les murs. Ah bon, on va le tester. Et le mec a remis tout de suite son costume et personne n'est là. Hein. Et j'espère qu'il y a de la vie au moins à New York. Hein, parce que regardez, à Central Park, il y a quasi personne. En même temps, tu vas me dire, il est genre 3h du matin. Là. Attends, on va tenter la course contre le mur. Ah ouais, ça fonctionne. Oh bah, c'est cool ça. Franchement, c'est cool. C'est cool, tout ce que j'ai envie de dire. Je vais pas... Attends, j'ai combien? Je suis à 23 minutes. Je vais pas m'arrêter là. Je vais me balader un petit peu pour voir un peu à quoi ressemble la ville. En tout cas, elle est magnifique. Et tous ceux qui disent qu'au quoi, c'est un mauvais jeu, que le jeu est moche et tout ça, franchement, j'ai envie de vous dire, achetez-vous des lunettes et fermez votre putain de gueule. Franchement, le jeu m'a l'air très beau. Avec le peu de souvenirs que j'avais, le jeu est très beau. Le jeu est très beau, donc je vois pas pourquoi on me dirait que le jeu est dégueulasse. Regardez ça, même avec les lumières et tout ça, je trouve ça mais sublime. C'est une beauté phénoménale. Donc honnêtement, ceux qui disent que le jeu est dégueulasse, franchement, c'est que vous n'avez rien compris. Et honnêtement... Pour les abonnés, dites-moi en commentaire si vous, comment vous trouvez le jeu, en fait. Comment vous trouvez le jeu Spider-Man 3, si vous l'avez déjà joué ou pas du tout. Parce que pour moi, il est très beau, hein. Regardez ça, mon Dieu, quoi. C'est incroyable. C'est franchement incroyable, quoi. Wouhou ! Bon, là, tu te sens un peu Spider-Man, hein, mais bon. Bon, malgré que ce soit pas... comment dire ? Que ce soit pas... la même ville comme tu vois dans les Marvel Spider-Man. Mais bon, on n'était pas encore à cette époque-là. Là, le jeu est sorti en 2007, je crois. 2007-2008. En même temps que la... C'est venu accompagner la sortie du film. Hein. C'est venu accompagner la sortie du film. Et du coup, ben... Bon, certes, comme je l'ai dit, Spider-Man 3 était pas parfait. De toute façon, j'en ai fait une critique geek pour vous expliquer un peu le jeu un peu plus en détail. Donc... Dites-moi, rappelez-moi ce que vous pensez du film Spider-Man 3, ainsi que le jeu. Et pour moi, le jeu, il est très bon. Hein. Il fait partie de mes jeux Spider-Man préférés. Hein. Après, vous me dites, qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu-là? Ben, c'est que le jeu, déjà, bon, il y a quand même des défauts. Hein. Il n'est pas parfait, il a des défauts. Il a des défauts, quand même, je vais pas dire le contraire, il a des défauts. Mais, comment dire, il y a des défauts, mais au moins, ça reste pas un mauvais jeu, quoi. C'est un très bon jeu, pour moi. C'est un excellent jeu. Après, t'as des gens qui critiquent ou quoi, les combats sont pas oufissimes. Eh ben, on verra ça, si les combats sont pas oufissimes, parce que bon... Je me rappelle de quelques boss qu'on va affronter dans tout au long de cette aventure. Et vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez de... de ce jeu au complet. Parce que pour moi, je le trouve excellent pour l'instant. Enfin, pour l'instant, hein, c'est que le début. Hein. Après, on dit tout ça. Hein. On finit peut-être par changer d'avis plus en avançant dans le jeu. Mais bon, pour moi, pour l'instant, je le trouve excellent. Il n'est pas si catastrophique que ça.
En plus, quand tu regardes la carte, c'est gigantesque, franchement. Elle est gigantesque, la carte. Ah, mais voilà le truc qui me dérange dans ce jeu, c'est la caméra. Ça, je peux l'admettre. La caméra me fait chier. Donc, ne m'attendez pas à ce que je gueule beaucoup durant ce jeu en gueulant sur la caméra, parce que la caméra, c'est ultra chiante à mort. Vous imaginez pas à quel point c'est ultra chiante. Et voilà quoi. Mais sinon, là-dedans, il y a des trucs qui sont assez bien. Genre, par exemple, je me rappelle à la fin, contre Venom, le design de Venom, déjà, il est mieux réussi que dans le film, déjà. Parce que j'avais déjà critiqué le fait que dans le film Spider-Man 3, que le look de Venom, je l'avais trouvé totalement dégueulasse. Je pense que personne viendra me dire le contraire. Et puis, regarde-moi ça aussi, quand tu te balances, et t'as l'impression d'être Spider-Man. T'as l'impression d'être Spider-Man. Donc ceux qui gueulent en disant que quoi, ils ont déjà joué au jeu au moins une fois et que du coup, ben, ça leur a pas plu, ben franchement, c'est que t'as vraiment mal compris le jeu et que tu l'as pas assez joué. Et du coup, t'as un mec qui va lui sortir un 11 sur 20 juste parce que, ben, le jeu est pas ouf. Alors qu'il y a des jeux comme Call of Duty, Fortnite et tout ça, là, les gens mettent des bonnes notes ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand t'as des gens qui... quand tu joues à des jeux comme Spider-Man 3... Là, par contre, les gens sont en mode « Non, c'est de la merde, en fait. C'est de la merde, ça vaut pas mieux. » Voilà. De toute façon, c'est complètement con de la part des joueurs et tout ça, ainsi que ceux qui critiquent. Pour moi, Spider-Man 3, c'est un excellent jeu. Je me rappelle. De toute façon, j'ai encore des bons putains de souvenirs. Attends. Je vais pas me répéter. De toute façon, j'ai déjà dit ou quoi. J'ai des bons souvenirs de ce jeu. J'ai des bons souvenirs. Et voilà, quoi. C'est moi qui vous le dis. Bon, certes, vous pouvez y jouer, hein, mais bon, certes, ça va être compliqué de le trouver parce que c'est un jeu qui est très très vieux, ça date de 2007, comme je l'ai dit. Donc ça va faire presque 16 ans que ce jeu est sorti. Mais bon, je rappelle aussi une petite chose, c'est que j'avais déjà joué à Spider-Man 3, mais pas version PS3. Je ne l'ai pas joué en version PS3, je l'ai joué en version PSP. J'avais joué sur PSP, c'était franchement très cool, bon, malgré que bon, les graphiques et tout ça, c'était hyper pixelisé et tout ça, ça va pas chercher midi à 14h au niveau des graphismes et tout ça, c'est nul. Au niveau des dialogues, c'était très plat, les animations et tout ça, c'était très buggy et tout ça. Pour ce qui est des cinématiques et tout ça, c'est un mélange entre PS2 et PS3, donc... Par exemple, la cinématique d'intro que vous avez pu voir ici, où Spider-Man est propulsé dans le bâtiment pour arrêter les malfrats. Ben ça, tu le retrouves sur PSP. Et tout le long du jeu, sur la version PSP, c'est mélangé avec la version PS3 et PS2. Et que je trouvais ça mais totalement immonde. C'était ultra moche, quoi. Bon, là, c'est vraiment la version PS3 comme on a eu. Bon, alors... Il n'est pas sorti que sur PS3, hein. Bien évidemment, il est sorti sur Xbox 360 et PC également. Donc, je parais qu'il y en a peut-être certains qui ont déjà entendu parler de ce jeu. Pas tous, mais chez au moins quelques personnes. Et moi, bah, j'ai beaucoup regardé des vidéos consacrées à ce jeu parce que je voulais tellement y jouer. Parce que, au départ, en 2007, quand j'étais un gamin, il n'y avait pas encore les jeux Arkham, il n'y avait pas encore la saga Batman Arkham, elle n'existait pas encore. Elle existait, je crois, 2 ans après. Et donc, du coup, des jeux Spider-Man et des jeux de super-héros, t'en avais pas beaucoup. Enfin, si, t'avais les Lego Batman et tout ça, bon, ça, c'était adorable et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas beaucoup de jeux de super-héros où tu pouvais y jouer tranquillement sans que tu puisses te prendre ton pied. Dans les Lego Batman, quand t'es gosse, ça passe, mais quand tu y joues, quand t'es adulte ou ado... Je suis désolé, mais tu t'ennuies un peu. Tu t'ennuies un petit peu. Alors que pour moi, la Spider-Man 3, que tu sois un ado ou un adulte, tu prends ton pied en jouant à ce jeu. Pour moi, je le dis, tu prends ton pied quand tu joues à ce jeu. Et pour moi, c'est le cas. Première fois que j'ai joué au jeu, j'ai surkiffé ce jeu, franchement. Je l'avais rejoué, je crois, 3-4 fois, parce que je l'avais trouvé très bon. Et puis voilà, quoi. Et donc, voilà. Vous voyez où je suis positionné sur cette petite posture de Spider-Man et la vue sur la ville qu'on va s'arrêter là.
J'espère que pour l'instant, ce petit premier épisode sur Spider-Man 3 vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu et également aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la suite de ce jeu ou pas du tout, si vous préférez que je continue la licence Batman Arkham. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Pixmal, évidemment, qui fait plaisir. Et aussi, profitez de la vie, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut !